Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto, enfin non, de l'album album photo avec la collection Mintei by Carola Life Story. Voilà. Vous verrez que d'ici la fin, la présentation de l'album, j'arriverai à le dire sans réfléchir au nom. Vous verrez, ça va arriver. Donc, hier, je ne sais plus si c'est la partie 7, 8, comme vous savez, j'ai beaucoup de problèmes à télécharger. Internet marche de moins en moins bien. Comme j'ai dit à mon mari, il faut changer d'opérateur, c'est plus possible. Et donc, du coup, voilà, c'est très, très compliqué, hein, entre tout. Voilà. Mais bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je ne suis pas une pro des vidéos. C'est une chaîne de partage, donc je partage. Et je n'y connais rien en informatique, vidéo, montage, vidéo, enfin tout ça, j'y connais rien. Donc je fais comme je peux. Donc, hier, je vous ai laissé que j'allais coller les papiers déco. Donc voilà, ça, c'est fait. Donc, je vous montre. Il est magnifique, franchement. On avait fait un rabat comme ça. Là, je suis venue coller une autre partie du papier déco qui est juste sublime. Là, en bas, pareil, j'avais une chute. Donc, du coup, j'ai fait un petit rabat. Et en bas, pareil, ça, c'est le haut de celui-là. Voilà. Donc, ça, puisqu'après, là, on a fait simple. Alors là, je vois que vous êtes trop haute. Pardon. Hop. Là, on avait fait une cascade. À tirette, pardon. Voilà. Sauf que si vous avez suivi la dernière partie, donc, vous vous souvenez que là, ça bloque. Ça bloque pourquoi? Parce que là, j'ai collé une carte comme ça. Là. Voilà. Sauf que vous voyez, du coup, là, ça s'arrête là. Je ne suis pas allée jusqu'au fond, jusque-là à peu près. Donc, du coup, quand je le tire, forcément, vu qu'en plus le papier, je crois que c'est du 240 grammes. Donc, du coup, ça bloque là, à ce niveau-là, à cause de l'épaisseur. Donc, si vous voulez faire la cascade, pensez bien à mettre du papier jusque-là, à peu près, pour pas avoir ce problème de blocage ici. Là, moi, je peux rien faire, sinon, il faudrait tout recommencer. Mais voilà. Vous voyez, je soulève, ça passe tout seul. Par contre, si je le tire à fond, ben là, ça bloque à cause de cette épaisseur-là, ce passage-là. Donc, pincez-y. Donc, voilà. Bon, ça, j'ai dit, je le finirai après, à la fin. Je verrai ce que je ferai. Voilà. Et donc là, ben, on va passer à la dernière page, puisque mon album aura 4 pages, donc 8 pages en fait. Et là, je retourne, je fais attention au sens. Donc, avec mes problèmes de téléchargement et de longueur internet et tout, du coup, je me suis avancée, mais rien de compliqué, vous allez y arriver facile, surtout que j'ai un peu repris ce qu'on a fait dans les premières pages. Donc, je vais venir mettre en fond ce papier-là. Donc, pour info, ça n'aurait pas vu les autres parties. Les fonds, pardon, les fonds viennent de ce bloc-là et de celui-là. Voilà, je me sers de ces deux blocs pour faire des fonds. C'est des blocs de chez Action. Parce que moi, c'est les seuls que j'avais qui pouvaient se coordonner comme il faut avec cette magnifique collection, sans cacher ben, la collection, quoi. Parce que c'est vrai que les mélanges de collections, quand c'est la même marque et tout, c'est bien, mais après, voilà, moi j'ai beau regarder les autres blocs, et alors encore plus les blocs Action, ça ne colle pas avec. Des papiers comme ça. Moi, j'aime bien rester vraiment dans le thème
Voilà, les mélanges de collection de papier et de marque, c'est pas trop mon truc. Ou alors, il faut vraiment que ce soit pile poil. Donc, je sais pas si j'ai été claire. Ouais, je sais pas. Donc, du coup, moi, c'est ce que j'ai trouvé qui allait le mieux avec ce papier. Donc, bien sûr, j'ai tamponné, embossé à chaud avec de la poudre noire des angles pour relever un petit peu, mais pas trop chargé non plus, comme ça, pour laisser place au magnifique papier. Donc, là, dessus, je vais juste venir faire trois rabats. Voilà, que je vais coller comme ceci. Comme ça s'ouvrira comme ça. Voilà. Là-dessus, bien sûr, je viendrai mettre cette chute de papier qui me reste. Donc ça, c'est le haut de celui-là, je crois. Voilà, c'est le haut. Donc voilà. Donc ça va venir comme ça. Et par-dessus, ben, je n'ai pas pu résister vu que j'ai deux collections. Donc ça, vous ne pourrez pas le faire si vous en avez qu'une, par contre. Enfin, si après vous gardez les portes pour le devant, pour la couverture comme je vais faire, du coup, je vais venir mettre deux portes comme ceci dessus, que quand on va ouvrir, on aura ça. Voilà, tout simplement. Donc, on y va. Alors, comme d'habitude. Je suis désolée pour la caméra, mais comme d'habitude, on commence par coller les rabats qui vont venir devant avant de coller le fond, hein, du coup. Donc, je les ai préparés en avance, mais il n'y a rien de compliqué, on l'a fait déjà. Donc, mon rabat fait 12 cm de large sur 20 et demi de haut. Sachant que ma page fait 21,5. Normalement, je l'aurais fait de 21,5. Sauf qu'en fait, je me suis trompée. J'ai coupé les portes avant. Et je les ai coupées de 20 cm. Voilà. Voilà. Donc, du coup, ben, j'ai adapté mon volet aux portes. Alors que j'aurais pu couper jusqu'à 21. Donc, il me manquait 1 cm. Donc, vous pouvez faire des rabats de 21,5 si vous voulez. Voilà. Et oui, tout le monde fait des bêtises. Hein, c'est comme ça, on le sait. Et c'est pour ça d'ailleurs que je détaille et que je ne les cache pas mes bêtises. Parce que personne étant parfait, tout le monde fait des bêtises. Dans le monde du scrap ou des loisirs créatifs, ben, tout le monde fait des bêtises. Et que ben, la personne qui va vous montrer toujours que tout est nickel et qu'elle fait tout du premier coup sans faire de bêtises, moi j'y crois pas trop. Voilà, c'est. Hein? Et puis on a tous débuté et puis on fait tous comme ça vient. Donc voilà. C'était une petite parenthèse à certaines personnes. Donc. Je vais venir coller mon rabat. Ah oui, pour le rabat, je ne vous ai pas dit, j'ai fait un pli à 1,5 sur la longueur de 12, ouais, de 12 cm. J'ai fait un pli à 1,5, un pli à 0,5. À 0,5, pourquoi? Toujours pareil, à cause de l'épaisseur que je vais avoir avec ça. Dessous, je vais avoir un peu d'épaisseur. Donc, comme en plus, il y aura les papiers et les photos. Moi, je mets un peu d'épaisseur, donc 0,5. Donc, je vais venir coller mon rabat. Je ne coupe pas les angles, puisque moi, du coup, ça ne tombe pas sur les angles. Hein. Ce n'est pas à ras. Si vous le faites de 21,5, par contre, vous pensez à couper au niveau des angles, là. Pour ne pas faire une surépaisseur au niveau des angles. Voilà. Donc, je vais venir coller ça. Moi, je mesure pas, mais vous pouvez le mesurer. Je vais faire un peu du pif. J'aime bien le pif. Hop, ça. Donc là, le tout, c'est que ce soit à peu près droit. Voilà. On appuie bien. Et là, ben, je vais venir coller l'autre côté.
Donc c'est le même, hein. C'est le même volet. Pareil, je coupe pas les angles, il n'y a pas besoin. Hop, et là, du coup, alors je vais essayer vraiment de me mettre droite par rapport à l'autre. Ce qui n'est pas gagné. Ouais, à un millimètre près, ça va. Donc j'appuie bien. Et donc là, ben voilà, on a nos deux rabats de coller. Donc ça, c'est fait. Je vérifie toujours le sens parce qu'en général, des fois, ça m'arrive de coller à l'envers. Donc là, on va avoir les portes qui vont se mettre ici. Comme ceci, et donc on ouvrira comme ça. Donc ça, je vais venir coller le fond d'abord. Du coup, maintenant, bien sûr, si vous vous mettez d'autres volets, parce que vous pouvez en rajouter en haut, en bas. Après, on fait ce qu'on veut. Donc là, comme ça, et ça là, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir. Non, je vais même pas le faire du coup. Je voulais mettre des aimants, mais non, ça servira à rien. Je viens coller mon papier directement. Donc, par contre, il est entré. Excusez-moi, j'appelle un appel. Donc, du coup, je viens me caler au bord. J'essaye d'être droite. Hop. Là. Et on colle le reste. Bien sûr, vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez le faire à la colle si vous êtes à l'aise avec la colle. Hop. Et là, on vient appuyer. Donc là, j'appuie avec la main pour ne pas abîmer l'embossage à chaud. Parce que c'est assez fragile quand même si on vient gratter, ça va s'abîmer. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, je vais venir coller là mon genre de, je sais pas, de livret, hein. On va appeler ça un livret. Et donc je viens enlever derrière. Oui, je vous ai passé le moment où je mets le double face, hein, parce que ça, tout le monde sait le faire. Là. Là, donc faire attention, moi je veux que ça s'ouvre comme ça. Donc du coup, oula, je viens faire attention au sens et là je vais venir me le coller en essayant d'être presque droite. Oui, je dis presque parce que malgré tout, j'ai toujours du mal à être droite. Pourtant, j'essaye, mais un jour, peut-être, j'y arriverai, je sais pas. Donc, voilà, ma page, elle est finie. Il faut juste la décorer. Donc, ça va s'ouvrir comme ça et comme ça. Donc, je vais venir mettre des aimants ici. C'est pour ça que, du coup, j'en ai pas mis dessous parce que... Après, ça fait des épaisseurs malgré tout. Donc,
Vous n'êtes pas obligé de mettre des aimants, vous pouvez faire une fermeture avec des attaches parisiennes, un ruban, une ficelle, avec des étiquettes. Hein. On aurait très bien pu faire une étiquette comme ça qui est aimantée ou. Enfin bon, il y a plein de solutions quoi. Franchement. Donc, je vais en mettre un de chaque côté. En vérifiant que ouais, ça tombe bien, parce que là il faut penser que nos aimants vont aimanter mon petit livret hein, et mes deux portes. Voilà, donc c'est pour ça que je vais en mettre un de chaque côté en faisant attention que ça tombe bien au niveau de la porte, que ça tombe pas sur un bord quoi, parce que si ça tombe là, ça va pas quoi. Donc hop, je laisse tomber là. Hop. Là. Là. Du coup, je viens le mettre dessus et non pas dessous, hein, puisque du coup, ça fera la fermeture sur les portes. Hop. Alors, même si je viens coller le papier dessus, je mets toujours un petit bout de double face sur les aimants, en général. Parce que je préfère. Des fois, je mets un peu de colle, mais surtout du double face. Parce que malgré tout, quand vient coller le papier dessus, des fois, ça peut arriver que l'aimant bouge après. Et c'est dommage. Voilà. Donc, c'est pour ça que je mets quand même du double face. Parce qu'en fait, si je colle le papier... Il n'y a pas besoin de ce double face. Mais bon. Ça, c'est pareil. Après, chacun fait comme il veut. C'est un peu le même principe que derrière, quand j'ai mis les attaches parisiennes, je rajoute un peu de colle. C'est une petite sécurité en plus, quoi. Voilà. Mais bon. Après, on fait comme on veut. Donc là. Là, je fais attention à mon épaisseur. Donc, je plie. Hein. Voilà. Je suis droite, mais c'est plié. Et là, on appuie. Normalement, c'est collé. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, toujours pareil. En faisant attention à mon épaisseur. Et hop. Donc, voilà. Voilà, je suis un peu en décalage quand même. C'est dingue comme j'arrive pas à être droite. Hein. Donc, je vais essayer de faire ça droit avec les aimants. Donc, du coup. Ah, voilà. Ouais, bon. C'est pas ça, mais bon. Donc voilà, ben là, j'ai plus qu'à coller mes papiers. Donc pour les portes derrière, là, il y aura les portes. Et derrière, pour décorer, moi, j'ai choisi, c'est des chutes de papier. Hein. Pareil, du fond bois avec de l'embossage pour rappeler ben, tout l'album. Ancré sur les côtés et je vais venir le coller comme ceci. Voilà. Donc, je vais coller mes papiers hein, hors caméra, puisque vous savez le, hein, vous savez tout le faire. Ça va donner ceci, ceci. Et après, là, il y aura ce papier-là. Et j'ai découpé, après, pareil, des fonds. Et voilà, quoi. Excusez-moi. Excusez-moi, donc, c'était des pubs, en fait. Mais bon, c'est pas grave. J'ai bloqué le numéro, comme ça au moins je suis tranquille et on peut scraper tranquille. Donc, je sais plus où j'en étais du coup. Oui, voilà, je vais coller les papiers. Tout le monde sait faire, je n'ai pas besoin de le faire avec vous. Et donc, on va se retrouver ben, dès que j'ai fini pour la suite du pas à pas. Voilà, ben, moi je vous dis à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi.
Donc, alors, excusez-moi. Donc, voilà, j'ai collé les papiers. Donc, nous avons les portes. Ça s'ouvre comme ça. Je vais vous baisser un petit peu. Hop, voilà. Ça s'ouvre comme ça. Et là, c'est comme ça. Voilà, simple. Mais je trouve efficace. Voilà. Moi, j'adore, en fait, ces angles comme ça. Je trouve que c'est trop joli. Donc, voilà, ça. Ben, nous avons fait nos pages. Hein, donc, 1, 2, 3. Il m'en manque une qui s'est échappée. Voilà. Donc, ben, maintenant, nous allons passer à la structure. Donc, je vais prendre mes pages et essayer de voir comment j'étais, dans quel sens. Là, j'avoue que j'ai un peu perdu le fil. Hop. Ça, c'était la dernière. Ça. Non, ça, c'était la dernière aussi. Donc, ça, c'était ça. Donc, ça, ça devait être comme ça. Voilà, c'était comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est assez épais, hein, quand même. Mine de rien, finalement, c'est quand même assez épais. Donc, je vais venir mesurer. Alors, attendez, j'avais un papier par là. Je l'ai mis dans toutes mes chutes. Bon. J'ai perdu. Vous savez, j'avais marqué les dimensions. Du coup, là, je ne l'ai plus. Ça, j'en étais sûre. Alors. Non, je ne l'ai pas. Bon, mais tant pis, on va reprendre depuis le début, du coup. Donc, je vais prendre mon brouillon, du coup, et je vais me marquer tout ça. Alors, là, il va me falloir... Alors, je vous explique pour voir la couverture, enfin, la structure, comment on fait. C'est pour ça, moi, je ne le fais jamais avant la structure. Je ne commence jamais par la structure. Les rares fois où je l'ai fait, ça ne collait pas. Parce qu'en fait, après, on a trop d'épaisseur. Donc, moi, je fais les pages et après, je fais la structure. Au moins, on est sûr de moins se tromper. J'ai bien dit moins se tromper. Et d'où l'importance que vous devez faire par rapport à votre travail à vous et non pas au mien. Parce qu'on a... tous notre petit truc, c'est un peu comme une recette de cuisine. On aura beau avoir la même recette de cuisine, on ne fera pas exactement la même recette. Puisqu'on a notre petit truc et en loisir créatif, c'est pareil. Donc, moi, ce que je fais pour déterminer la tranche, je mets toutes les feuilles les unes sur les autres. Et là, je regarde, là, je suis à 6 cm. Voilà. Excusez-moi. Donc, du coup, je vais prendre des cartonnettes que moi, j'ai découpées de 23 sur 23. Je les attrape. Hop. 23 sur 23. Voilà. Ça. Ensuite, pour la tranche, j'attends un peu. Parce que je vais d'abord faire la reliure. Pour la reliure, j'ai pris... Je vais y arriver. Je vais vérifier que c'est bien ce morceau. Ouais. Donc, j'ai collé deux feuilles à 4. J'ai coupé avant à 21 cm sur la longueur de 29,5. Et du coup... J'en ai coupé deux et je suis venue les rattacher là. Donc, ma reliure fait 21,5 de haut. Sur, logiquement, 42 à peu près. Ouais,
41, puisqu'il y a un petit manque là. Ensuite, je vais prendre ma scorpale. Bien sûr, vous pouvez le faire à la main. Si vous n'en avez pas, moi, ça, je sais pas faire. Donc. Et là, moi, je viens faire un pli à 4 cm. Parce que moi, je laisse toujours, pour attacher l'album, enfin les pages à la structure, je laisse toujours 3 ou 4 cm. Voilà, je vais laisser 4 cm. Et après, je vais prendre ma première page. Et là, je vais estimer à peu près l'épaisseur de la page. Donc, elle fait 1 cm. Donc, je vais compter 1,5. À peu près. Donc là, j'étais à 4. Je viens faire un pli à 1 cm. Voilà. Donc ça, ce sera l'espace entre ma couverture et la première page. Ensuite, je vais venir faire un pli à 0,5 cm. Puis à 1 cm. 1 cm et à 0,5. Voilà. Donc là, les 0,5 là vont servir à laisser un peu plus d'amplitude à ma page, comme c'est un peu épais. Bon, celle-là pas trop, mais les autres elles sont épaisses. Pour qu'elle s'ouvre mieux, du coup, moi je laisse souvent 0,5 cm. Voilà. Et les 1 cm là, ça va être ce qui va maintenir à la page. Voilà. Et donc là, 0,5 aussi, puisqu'il faut faire les deux côtés pareil, puisqu'on va le plier et le coller après. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Vous comprendrez après, de toute façon. Donc là, j'ai ma première page. Donc là, moi, je vais laisser 1 cm. Entre ma première page et ma deuxième page. Sachant qu'avant, pour être sûr, je prends ma deuxième page et je vérifie l'épaisseur. Donc pareil, c'est à peu près la même épaisseur. Donc je vais faire... un et demi. Non, ça fait trop. Ouais. Un et demi. Je vérifie du coup, comme je ne sais pas trop... Enfin, moi, je vous donne mes petits trucs après. Donc là, je viens voir. Ouais, je vais laisser 1,5 puisque en le lâchant un peu, je vois que je suis déjà à 1 cm là, entre les deux pages. Donc du coup, par précaution, je laisse 1,5. Donc 1,5. Et là, on recommence. 0,5 cm. 1 cm, 1 cm et 0,5 cm. Ça, c'est ce qui tiendra ma deuxième page. Et on va continuer comme ça, ainsi de suite. Donc là, ça se gâte un peu puisqu'elle est plus épaisse. Donc là, je suis à 1,5. Donc je vais laisser 2 cm entre la deuxième page et la troisième page. Donc, je fais un pli de 2 cm après. Et après, on recommence. 0,5. 1 cm. 1 cm. Et 0,5. Et là, pareil. On recommence avec la dernière page. Donc là, c'est ce qui va tenir ma troisième page. Donc là, je suis à... Allez, on va dire 1 cm. Donc, je vais laisser 1 cm et demi, puisqu'il y aura l'épaisseur de cette page, la troisième page et un peu de la quatrième page. Donc, du coup, ouais, 1,5 cm, 0,5, bien sûr, ça tombe dessus, 1 cm. Je vérifie, ouais, je suis bonne. Donc,
ça tombe bien sûr. Pour ça que j'aime pas le faire ça sur le double face. Donc là j'appuie bien par contre, hein. Je suis même pas sûre d'arriver à le plier là. Donc 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5. Et donc là, je vais laisser 1,5 cm entre la dernière page et la couverture arrière. Donc 1,5. Et puis, je vais laisser 4 cm pour attacher ma reliure à la couverture arrière. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, là, je vais venir couper. En espérant être bonne, sinon je recommencerai. Voilà. Et là, on va venir marquer les plis. Alors, je vais marquer tous les plis, même les 0,5. Vous allez comprendre après je l'ai déjà fait tout ça. Donc, on marque, on essaye d'aller droit. Ça n'a pas trop marqué, hein, je trouve. Sinon, tant pis, on va faire dans l'autre sens, ce sera plus facile. Oups, il n'ira pas plus bas, je le ramasserai après. Donc, on marque les plis. Là. Ça va être un peu compliqué, mais on va bien y arriver, je pense. Alors ça, j'aime pas du tout. Bon, après, ce sera bien collé, mais j'aime pas quand ça fait ça. Je sais même pas si je vais arriver à le plier du coup. Est-ce que j'y verrai mieux de ce côté? Donc là. On va essayer. On appuie bien. Et du coup, on reprend de l'autre côté. Heureusement que ça va être bien collé après. Et on continue. Appuyer. Ah oui, c'est les demi. J'ai cru que je tombais mal. Là, j'ai dit, il y a un souci encore. Parce qu'il y a des jours comme ça où on ne fait que des bêtises. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On est entre nous. Bien sûr, vous pouvez accélérer hein, si
alors c'est un peu long. Mais bon, je veux vous montrer toutes les étapes pour celles qui ne savent pas et qui n'osent pas se lancer. Je veux juste vous montrer qu'en fait, c'est vraiment facile et qu'il faut se lancer. Voilà. Et puis, on m'a demandé de faire des trucs détaillés. Donc, moi, je m'exécute. Voilà. On essaye de plier droit aussi, hein, ce qui n'est pas toujours gagné, mais on essaye. Surtout quand le papier est bizarre comme ça, là, il est... Je sais pas ce qu'il a ce paquet, là, mais il est vraiment bizarre. Mais bon, ça ne fait pas grave, parce qu'après, ça ne se verra pas une fois qu'il sera monté. C'est juste qu'il est un peu plus pénible que d'habitude. On arrive presque au bout. Là, en fait, je reprends ce que j'avais fait au début, mais dans l'autre sens du coup. Hop. Vous voyez, c'est plus facile puisque forcément, les plis sont déjà faits dans l'autre sens. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et donc là, je vais prendre mon double face. Celui-là, je le fais au double face parce que je sais que de toute façon, après, ça va être collé et ça ne bougera pas. Donc, je prends mon double face. Et je vais venir mettre mon double face tout le long des... Alors, en fait, 1,5 cm. Puisqu'on a fait 0,5 et 1 cm. Donc, je vais vous montrer ça. Je le fais, je vous explique. Je vous le montre après. Donc là, je viens rajouter, puisque du coup, il y a le rajout là. Bon, sinon, j'en fais qu'un sur deux. Du raccord. J'ai cherché le nom. Alors, attendez. Donc, ça va faire ça. Et du coup, voilà, c'est bien ce qui me semble. Je suis en décalage. Et ouais, du coup, je suis pas bonne. Non, je fais n'importe quoi, en fait. Je me suis trompée de... Bon, tant pis. Je vais partir de là plutôt. Je me suis trompée là, mais c'est pas grave, puisqu'après, moi, je le saurai en le collant. Donc, on part sur les premiers 0,5. Hop. Et hop. En plus, je ne vois pas grand chose en contre jour. Hop, deuxième page. Troisième page. Et du coup, la quatrième page, elle est là. Hop. Et donc, en fait, il ne faudra pas que je décolle cette partie-là, puisque c'est là... Ça. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre pas celui-là parce que celui-là je me suis trompée, mais voilà. Et du coup on va venir coller ces deux parties ensemble, donc je vous montre. Hop. Hop.
Et là, je viens rabattre, coller, j'appuie. Et nous obtenons le rabat pour la première page. Enfin, le rabat, j'appelle ça un rabat, mais... Voilà. Et on va faire ça sur toutes les pages. Après, sur celle-là, je sais pas. Au pire, je recommencerai, c'est pas grave. Je vais voir ce que ça donne. Mais bon, là, c'est pour vous montrer le principe. Donc là. Là. Vous pouvez le faire à la colle si vous voulez. Donc voilà. Et là, du coup, on a l'espace entre les deux pages. Première page, deuxième page. Et ainsi de suite. Et donc, le dernier, c'est ça qui va être plus compliqué du coup, parce que je ne tombe pas juste du tout. Et c'est parce qu'en fait, c'est dur, puisqu'il y a le... Il y a le... les deux épaisseurs de papier. Donc, on va essayer de le faire un peu à l'arrache. Vous voyez, j'appuie pas là, j'attends. Donc, un et demi. Et un et demi. Comment vais-je faire ça? On va essayer de le plier comme on peut. On va voir si ça va. Bon, ça fera l'affaire, hein, du coup. Je regarde quand même. Hop, hop. C'est là que ça va pas. Donc c'est là que ça va pas. Donc ce que je vais faire, c'est que hop. Et là, du coup, je vais tant pis essayer de plier comme je peux. En essayant de remettre un peu le double face. Hop, enfin, la protection. Je suis désolée, là, je suis un peu embêtée parce que là, c'est du n'importe quoi, mais bon. Au moins, vous voyez que c'est normal de se tromper, n'est-ce pas? Donc là, je remets ça pour essayer de ne pas trop coller partout. Et donc là, on regarde. Est-ce que ça va le faire? Ouais. Donc voilà, on obtient nos 4 pages. Les 3 cm. Et là, du coup, il y a 3 cm là. Et là, en fait, il y aura 0,5 de plus que ce que j'avais prévu. Mais ça, c'est pas bien grave. Puisque c'est du enfin, il y aura 0,5 de plus en place entre les deux. Donc, ça ne peut être que mieux. Donc, voilà. Non, je vais juste venir appuyer là, quand même. Parce que là, ça m'énerve un peu. Donc voilà. Voilà. Là. Donc, ben, on va continuer.
Excusez-moi, donc, du coup, alors moi je l'ai refait parce que ça m'énervait en fait. Voilà, donc comme c'est pour vendre quand même, je voulais que ce soit bien fait. Donc, du coup, moi je l'ai refait. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc, pour mesurer ma tranche, moi ce que je fais, c'est que je vais mesurer de là à là. Donc, la reliure en elle-même. C'est pour ça que je prévois jamais la tranche avant d'avoir fait la reliure, parce que ben, c'est un peu comme un peu tout, c'est que quand on prévoit les mesures et tout avant qu'on coupe et tout, ben, en général il y a toujours un petit truc qui fait que du coup ça va pas. Donc du coup je vais mesurer ma tranche, donc je pars du premier pli au dernier pli en fait, hein. Donc là ça fait 9 cm. Donc du coup, ma tranche fera 9 cm sur 23,5 de haut. Voilà. Donc là, si vous faites votre reliure au double face, vous venez coller du double face. Moi, la reliure, je vais la coller avec la colle Cléopâtre. La Cléocolle, je crois. Ouais, le gros pot. Voilà. Par contre, je pense qu'il va falloir que je télécharge. Là, faut que je regarde. Donc, je télécharge et puis on se retrouve pour la suite très rapidement. Donc, bah, écoutez, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.